Abuse-toi, si les enfants te trouvent ici, ils vont rien comprendre. Je connais bien le père. Oui, mais justement. Maud Crayon est née dans les Vosges, mais vit à Paris. Maman, papa a dormi là cette nuit ? Non, pas du tout. Allez, dépêchez-vous ! Elle est architecte, mère de deux enfants. C'est à cette heure-là que t'arrives. C'est la dernière fois. 9h, c'est pas 9h15. Et puis pour ton contrat, on verra ça le mois prochain. Quel con. Il y a la mère qui veut te voir. La mère de qui ? Bah, la mère de Paris. La mère de Paris ? Maud Crayon remporte sur un malentendu. J'adore. On adore. Le grand concours pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Moi, j'ai tout de suite vu son potentiel, tout de suite, direct. Oh, quel gros con. C'est le début d'une nouvelle vie pour Maud. Enceinte de 4 mois. C'est une blague. Et d'une nouvelle histoire. Alors, le budget dont vous disposez est de 121 millions. 121 millions. Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secourisme. T'as pas changé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, on va plus se quitter. T'as jamais repensé à moi ? Bien sûr que si. C'est qui exactement, Martial ? Le père de mes enfants. Pourquoi il était dans ton lit ? Parce qu'il dort mal dans le canapé. Ouais. Quand on dit à quelqu'un ce soir et qu'on ne vient pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a la trouille. C'était pas prévu que je gagne ce concours, c'était pas prévu que je tombe enceinte et c'était pas prévu que tu te déboules dans ma vie comme ça. Alors maintenant, on fait quoi ? Je sais pas. J'ai toujours su que t'étais hyper cul.